On est toujours ensemble avec Lizzie le Trapper, Lizzie the Trapper, et le frérot Fodje Sissoko. Pourquoi t'as les yeux fermés, frère? Rien, je faisais semblant de m'endormir. Pour montrer qu'on travaille beaucoup, mais... Ah, ok. Ok. Là, tout de suite, on va parler de... On va parler de Lil Pump, mettez-vous bien. Turn up! Je sais pas si vous avez suivi, Monsieur Pump a décidé de changer de blaze. Il a décidé de s'appeler Jetski. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces rappeurs là qui changent de blaze? Ben, c'est un pervers comme une thug. Pourquoi? C'est lié au sexe. Jetski, vage, les vagues. Les vagues, les vages, les vagues, ouais. Les vagins, mais je voulais vagues. Ouais, ouais. Voilà. Tu penses qu'il surfe sur les vagins? Ouais, ouais. Avec son Jetski. Ok. Ok. Donc, moi, je pense que ça vient de là. Okay. Genre, en gros, soit c'est ça, soit c'est lié à l'eau. Les diamants. Ice. Ah. Ouais, Ice. Et genre, lui, en gros, il surfe sur la bijouterie. Ouais. Ou bien il surfe sur la mouille des meufs. Ouais, je pense à ça aussi. C'est l'un des deux. Mais, ok. Vous pensez quoi, vous, de... On voit plein de carrières comme ça, à changer de blaze. Il y a Lil Zan qui l'avait fait aussi avec Diego. Ah, mais lui, il l'a fait parce que... Ouais, il est obligé de le faire. Ouais. Parce que Lil Peep, il est mort et il portait le... Ouais. C'était comme si c'était l'assassin. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je capte. Il était coupable. Le mec était là, mais... Ouais. Ouais, putain, c'est moi qui ai fait ça. Ouais. Tu vois? Ouais, j'ai capté. Et par exemple, bah, Young Thug, comme t'as dit, est sexe. Ouais. Ouais, mais c'est... Sexe. Sexe, quand même. Mais t'as... Young Thug, c'est pour le buzz, c'est pour le buzz. Ouais, mais lui, il regarde beaucoup de porno, hein. Non? Bah, il y a une vidéo, en plus, ouais, où il y en a porno gay, là. Enfin, je pense... Ah oui, ouais. Mais tu... Rien. Mais moi, un truc que je comprends pas. J'avais jamais regardé, hein. Ouais. Mais j'ai lu un truc. Oh putain de merde. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer là? En gros, que quand tu regardes des trucs que t'as jamais vus, bah ton cerveau, bah il développe certaines choses. Ah, t'as lu ça? Ouais. Ou tu l'as pratiqué? J'ai pas pratiqué. J'ai lu. Ok. Tu regardes des porno gays? Non, jamais. T'es jamais tombé sur un porno gay? Si, je suis déjà tombé, mais j'ai quitté. C'est sûr, t'as pas regardé. C'est bizarre toute cette histoire. Elle est bizarre, la photo. J'ai déjà vu un mec nu qui avance vers un autre mec. J'ai quitté, wesh. Et même là, en ce moment, dans les séries, ça se galoche normal. Hein. Ouais. Tu l'as déjà vu, Sense8, la série? Non, mais viens, on reste sur le sujet. Attends, tu veux, je te... 10 secondes. Sense8, hein, c'est une personne qui est reliée à 8 autres personnes. Ah, si, ouais, je vois, c'est quoi. Et à un moment, elle couche avec un autre mec, et dans la séquence... Les 8 personnes y couchent ensemble. Tout mélangé. Ok. Bon, ben on va reprendre sur le sujet. On parlait de quoi? T'es genre... Ah ouais, c'est bon. Sexe. Young Thug. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui est bizarre, c'est vous avez déjà vu une vidéo genre où il y a écrit genre futur fit sexe. Non, c'est jamais fait. Bah, d'abord, il avait changé, c'était appelé Jeffrey. Ouais, voilà. Et après, sexe. Ouais, mais ça, c'était juste pour son album. Il était en mode, ouais ma promo, maman, quoi. Elle m'a donné la vie et tout. Là. Ouais, il était en mode c'est promo. C'est Lover. Et à Didi qui a beaucoup changé. D'abord, c'est Puff Daddy, après P. Diddy, après Didi. Dernièrement, il a dit vous les appelez Love. Love. Il y a Two Chainz aussi. Two Chainz. Ouais, c'était Titi Boy avant. Titi Boy. Et tu me crois que moi, je l'ai... Tu sais, quand il est arrivé en Two Chainz. Ouais, c'est tu. Ouais, je connaissais Titi Boy parce que moi, j'étais fan de Ludacris et DTP. Ah ouais, Ludacris, non, la trappe, Ludacris, non, je voulais. J'allais dire un truc de ouf. Mais d'ailleurs, Titi Boy, il avait fait à l'ancienne True Religion. Ouais. Oh, mais meilleur mixtape du game. Meilleur mixtape. Non, c'était trop. True Religion, tu t'en souviens? Avec Viagra, avec Smesha. Oh là là là. 2 Chainz, c'était chaud. Ah, c'était trop. 2 Chainz, moi je dis juste un truc, c'est que les gens ils le négligent trop. Là, n'oubliez pas que lui il est très très chaud et parce que c'est de la trap, vous croyez que le mec il écrit pas, mais il a des punchlines. Il a une écriture de ouf. Ouais, il a une écriture de ouf. Même Eminem, un jour il lui a demandé, il a fait un son avec Eminem. Eminem lui a demandé comment t'as fait rimer ça avec ça, tu vois. Ah. Ouais, pour te dire. Genre, il a une manière de penser qui est. Voilà, tu vois. On va faire un jour une étude des sons de 2 Chainz parce que je trouve très très chaud. Et pour moi, c'est lui qui a ramené le skull. Pour toi, qui a ramené le skull? C'est lui. Skull. C'est lui, on est d'accord. Bah ouais, c'est dans Birthday, ouais. Birthday Song. Ouais, c'est lui. Kenny. Ouais. Ouais, et puis celui qui l'a innové, c'est Chief Keef. Ouais. Comment ça qu'il a innové? Ouais, qui a ramené un petit côté plus. Ouais, c'était un côté turn-up dans le skull, tu vois. C'est chiant. Je me suis dit, là, on a fait 2 vidéos, il a pas parlé de Chief Keef. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je voulais parler avant.
Moi, j'ai... Ouf, hein. Juste avant, là, quand t'as parlé de guerre et tout. Ouais, Chicago, c'était encore aussi. Jojo et tout. T'as vu, là, son frère, il est parti mettre... Oh, on va faire une vidéo spéciale, Chief Keef. Ah, viens, on l'a fait juste après, le Jojo, t'as vu? On l'a fait demain, pour demain. Ah ouais, qui veut une vidéo demain sur un peu Chirac et tout? Là, il y a le professionnel. Mais venez, ouais. Ah ouais, je suis en ouf, hein. Oh. J'attendais la réponse, là. Vas-y, on est ensemble. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale. Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale.